Voilà. C'est merveilleux. Elle n'arrive pas à tenir. C'est fou. Attends, attendez. Figuration. Et là, je désactive. Ah merde! Quand on fait ça, ça tient pas. Ah, oh, dommage. Mais c'est bizarre, je sais pas pourquoi l'ordi veut lâcher l'affaire aujourd'hui. Il y a des jeux comme ça. Il fait son caprice, il veut pas. Bon, tant pis. Je vais essayer de rejoindre déjà en vocal. Coucou. Voilà, tu une scène, recoucou. Tu vas pouvoir me dire tes directives qu'on puisse jouer ensemble. Oui, voilà, le Discord il est là. Ah merde, oui, j'avais carrément fermé. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Piou, 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 piou. Ding dong. Ah, j'ai pas vérifié le volume sonore. Allô? Ouais, on t'entend, je pense bien. Faudra surtout que mon public n'hésite pas à me dire si on t'entend. Enfin, je pense qu'on t'entend bien, honnêtement. Déjà, t'as du bon matos, tel que je te connais. Après, de mon côté, mes réglages sont pas farfelus, donc ça devrait être tout ce qui est plus conventionnel. Je fais ce que je peux avec un micro USB qui traînait dans le placard, donc voilà, on se sent. Tant qu'il est opérationnel, tu sais. C'est pas l'idéal que je prévois, mais c'est pas grave, c'est en entendant. Ouais, c'est déjà ça, moi je t'entends clairement, donc. Puis c'est mieux que le téléphone. Mmh, aussi, ouais. Alors, je t'écoute, c'était quoi ton idée? Je sais plus. Il y avait du ink machin là, je sais pas quoi là. Ink, attends, je l'ai téléchargé tout à l'heure. Inka. Non, dans les terminés. Ah, a sync, a coop escape prologue. Ouais, c'est ça. In sync. Ok. Bon, il y a 4 succès. Voilà. Mmh. Normalement, ça ne va pas être super long. Alors, InSync. Je l'avais même pas installé, moi. Attends. Vas-y, vas-y, prends secondes. Ton temps. Ah, mais attends, ça va prendre 2 secondes. 300 dégâts. Ça y est, c'est fait. Hop. Voilà. Attends, le son soit pas trop fort. Ah, c'est du 60, d'accord. Attends, je vais baisser un peu le son. Enfin, ah oui, c'est la musique qui est. Voilà, c'est gentil, mais voilà. Ok. Je pense qu'il faut laisser des bruitages au cas où, s'il y en a besoin, je sais pas. Fais. Mais attends, moi j'ai un peu la flemme de déclarer la bonne catégorie, mais est-ce qu'il existe le InSync? Ah oui, il existe. Bon, allez, ça va. Bon, je vais t'inviter, ça sera plus simple. Je te donne dans le menu, voilà. Ok. Alors, moi, il faut que je vous montre le jeu. Ce serait dommage que vous ne voyez pas le jeu. surtout que j'ai parmi toute mon interface. Ah oui mince, je voulais remettre l'horloge et le. Attendez une minute. Je vais remettre le Winamp, je vais remettre mon horloge. Voilà. Et moi normalement je devrais être bien au niveau de mon interface, vrai ou faux? Alors mince, c'est pas ce que je voulais voir. On va y arriver. Ouais, ça m'a correct, mon interface. C'est parti. Oui, je suis moi. Ensuite, que se passe-t-il? Tu veux être le barbu à casquette ou le petit genou à bretelles? Écoute, oui, bah, le barbu à casquette, écoute, ça me va bien. Je sais pas si ça change grand-chose, hein, mais bon. Non, j'ai pas l'impression. Ah, d'accord, W... Ah ouais. Merde, ah. C'était quoi? Ouais, non mais c'était sûr, ça c'était des trucs à l'américaine, mais j'ai rien pour tringler les douches. Ah, ah bah la manette, ah ça se fait à la manette? Ouais, ça peut, ouais. Merde, la seule que j'ai branchée c'est celle de Mega Drive, mais ça va peut-être faire l'affaire. S'il n'y a pas 36 touches. Elle est super sensible par contre. Attends, c'est bleu. Je sais qu'elle est branchée, mais je l'ai rangée où la manette? Parce que du coup, je l'ai évidemment rangé durant ma semaine de taf. Elle est où, cette minuche? Ah, on est chacun dans une pièce, un peu à la Portale en symétrie, là. Ok. Là, je te vois, là. Ah, ma mallette n'est pas reconnue, donc au moins, je vais y aller au clavier, ça c'est... Sinon, t'en prends une autre, je sais pas si t'en as une deuxième. Si, j'en ai une deuxième, mais après, il faut que je trouve le port USB de libre. Alors, pour une fois que ma webcam marche, c'est con. je réfléchis...
Si, il y a moyen. Attends. Ouais, alors pardon, je retire mes écouteurs parce que je suis obligé de lever mes fesses. Je peux faire ça, effectivement. Alors, est-ce que... Ou alors c'est le Steam Input qu'il va falloir que je configure. S'il ne me reconnaît pas... Ah oui, ça bouge. Oula. Oula, je te vois. Alors, pourquoi ouais. Je peux... Alors, je peux lever la tête, aller gauche... Attends, c'est bizarre. Et on peut sauter aussi à pied. Et on peut sauter a priori. Oui, alors je peux sauter. Par contre, moi, j'ai un truc très fourbe. C'est-à-dire que je peux bouger la tête de haut en bas, de gauche à droite. Je peux sauter. Mais pour les déplacements, je suis condamné à aller soit à droite et en marche arrière. Je n'ai ni l'avant ni la gauche. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah oui, encore j'aurais eu la marche avant à la souris, j'aurais pu influencer. Mais c'est pas le cas, c'est débile. Ah, ah, ah ! Attends. Ah oui ! Attends, j'ai la touche là qui me permet de marcher. Bah, je pense que je vais m'en contenter comme ça. Est-ce que... Oui, moi je pense que... Ouais, puis sauter, tu disais... Alors, attends. Sinon, sauter, je le ferai à la manette, mais... Ah, je peux sauter comme ça. Oui, alors attends, c'est bon, je pense que j'ai trouvé mon truc. Oh, je vais trouver la porte. Voilà. Oula, t'as un truc de trou de souris. Alors, je garde la manette sous la main, on sait jamais. Ça peut dépanner. Regarde, faut se baisser. Oh ben voilà. C'est, tu crois que ce serait à moi de... Non. Ah, putain, moi j'ai un bouton. Ah. Ah oui, merci. Ouvert. Ah, il faut que je saisisse le... Quoi? Alors, oh mon dieu. J'ai un cube de mon côté et un digicode à 6 chiffres. Moi j'en ai un à 3. J'ai 334. 334 et on fait... Ouais, j'ai qu'une seule face qui a un code. 334. Attends, mais moi je... Ah, les joies de la 3D. Ah, 215. J'ai 215. Mmh. 334. Ah, faut que tu mettes 215. Mmh, d'accord. Faut que tu mettes mon code que j'ai trouvé, en fait. Ah, bien vu. T'avances ? Ouais, merci. Ouais. Alors... Ah, t'as des questions, t'appuies sur H pour l'aide. Ok. H comme help in English. Voilà, il y en a des codes couleurs. Punaise. Alors, tu une scène, tu dois reproduire le drapeau gay. Comment ça, je dois reproduire le drapeau gay? Ok, l'ordre. Oula. Alors, les licornes d'abord. Je dis n'importe quoi. Ah, mon dieu. Attends, cerveau. Alors, est-ce qu'on a obligé d'appuyer sur H pour help? Ah oui, regardez la, le chambranle par le en dessous. Ah, les salauds. C'est malin. Et comment sortir? Alors, bleu, vert, orange, rose. Ah, j'ai rien, moi. Bleu, vert, orange... Non mais j'ai peut-être ta combinaison sous mon prochain... ma prochaine porte. Attends, bouge pas. Ah non, j'ai rien, merde. Je vois rien. Ah si, c'est à moi de te sauver. Attends, je vais pouvoir te sauver. T'es condamné à patienter, attends. C'est à moi de faire fonctionner mes cellules grises. Mes petites cellules grises, comme on disait Poirot. Hercule de son prénom. Attends, je réfléchis. Attends, c'est bon, j'ai trouvé. Ah bon? Ouais, il était dans l'autre porte, en fait. D'accord. Ah, par contre, c'est des couleurs à la con. Le clair. Attends, il faut le triangle bleu. Je suis là. Comment je fais le triangle bleu, moi? Noir, blanc. Je peux pas interagir. Oh! Ça y est, je suis dedans. Attends. Ah bah, je te vois. Oui, merci, je suis en train de manipuler une bouteille.
Ah, ça y est, il est déjà en train de picoler là. Qui est bête. Ah, tu m'as pas loupé. Ah oui, t'as raison, tu peux y aller en même temps. Ah, c'était aussi bête que ça. Je vais être à deux dessus en fait. Truc. Oui. Je vais être à deux dessus en fait. Alors, gamin, t'as fait tes devoirs? Oh, je veux chanter. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. C'est où le karaoké? Attention, je crois qu'il y a une trappe en dessous de tes pieds. Oh merde, au secours. Il y a un carré en dessous là. Ah oui, c'est vrai. Oh les boules. Faut sauter. Avis, hein. Lara Croft, faut sauter, faut se barrer. Non. Eh, j'aime bien l'ambiance. Il est sympa cet endroit. Oh, il y a des jouets par terre. Il faut aller en dessous, je crois. Ouais. Mmh. Oh, j'ai un bouton et plein de chiffres là. De 1 à 9. Sérieux? Un gros bouton rouge et plein de leviers de 1 à 9. Bah, le bouton rouge, ça doit être la trappe. Non oh! Ah, m'a fait peur! Ah bah. Ah, c'est merveilleux! Tu t'es fait prisonnier, c'est ça? Et si je repis dessus? Je peux pas. Ah merde, faut que je sorte. Et j'ai plein de bouteilles. Ah bah, finalement, c'est toi qui vas picoler. Ah, attends, il y a des codes. Le 1, est-ce que t'as un truc qui ressemble à un 1 quelque part? Laisse-moi le temps d'observer. Il y a quelque chose dans le fond des assiettes, il y a des symboles. Un. Alors, un simple bâton ou un 1 tel qu'on le connaît en chiffre romain? Le chiffre. D'accord, vraiment. Est-ce qu'il y a une sorte de figure qui ressemble à avec le 1? Je regarde, je scrute les murs, les objets, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Par exemple, carré, triangle, plus... Attends, je manipule une bouteille, j'ai pas vu de chiffres. Ah, attends, il y a une conserve qui est bizarre, on dirait du binaire. Mais ça veut pas dire 1. Ah, elles sont toutes les mêmes, donc il faut pas que je me focalise sur ça. Au fond de la tasse, il y a quelque chose? Non, la tasse est propre. Les assiettes, il y a des trucs derrière. Faut soulever les assiettes. Attends. Bah oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis quand je vois pas. Puis quand je vois pas ce que tu fais. Ouais. Non, puis attends, je suis désolé, mais il y a beaucoup de trucs en fait. Il y a beaucoup d'objets avec lesquels tu peux interagir. Donc tu vas devoir patienter le temps que j'arrive à identifier tout ce qu'il y a dans la salle. Et il y a pas mal de trucs. Là, je manipule des tasses, des contenants, des bouteilles. Oh punaise. Ah tiens, J'ai tapé H pour voir, et en fait, le premier indice, il se débloque dans à peu près 1 minute 30. Oh merde! Deux autres indices, deux autres indices de possible. Ouais, je crois que c'est une signification, ça. Je crois que ce qui est dans le meuble est codé. Parce qu'il y a des formes géométriques, dont des triangles qui sont figures vers le bas et d'autres vers le haut. Ouais, c'est ça. Genre un carré, un triangle, un plus, un rond, un ouais, losange. Il y a de ça. Ça m'intéresse. Mais pourquoi cette torche? Non, cette torche est immuable. Alors, si on prend le 1, est-ce que tu trouves le triangle plein, pointé vers le haut? Bah, je l'ai plusieurs fois. Je l'ai aussi bien en objet sur le sol que encastré dans le mur. Ah oh, merde. Là, tant que j'ai pas mis le bon code. Ah, c'est mal hein, comme truc. C'est pas du pif. Jamais. Oui. La chance du débutant. Non. Essaye de voir la trappe où t'avais chanté en dessous là, si t'es pas fait un truc avec. De manière apparente, j'ai aucun élément d'interaction. Ça a l'air immuable. Alors on peut parler de point de chute, littéralement, je crois que tu dis vrai, mais manque de bol. Là pour le moment il se passe rien. Premier indice, il vient de là. Tableau. Ouais. Alors tu me dis un le triangle vers le haut. Parce que j'en ai 4 au sol. J'en ai 4 au sol et j'en ai 3 au mur. Des triangles vers le haut. 4
pas, ce serait pas une histoire de chorégraphie, ça? Attends, est-ce que je peux, d'une manière dissidente... Ah oui, je peux marcher sur le bar. Attends, si je saute sur la... Oui, on est bien d'accord, ça fait... Le saut ne fait pas craquer la dalle. Espèce de trappe. Il est vers le haut. Merde. Attends, je réfléchis. Oui, le triangle vers le haut, c'est le 1. Est-ce que je peux me saisir d'un objet, oui ou non? Donc là, j'en aurais mis un de bon pendant l'histoire. J'ai mis le casse. Ça, c'est la rotation. Il serait vers le haut. Ok. Ok, ok, ok. Ah, je vais être obligé de regarder ton film, sinon. Les portraits doivent avoir une importance aussi. Enfin, les portraits et les peintures sur les murs. Ah, j'avais pas vu que ça se répétait là. Ah non, ça se répète pas tant que ça. Non. Non, ou c'est peut-être de l'art conceptuel, tout simplement. Il faut pas forcément y voir une codification partout. Mais, on verra plus tard. C'est quoi cette bouteille ? Parce qu'en fait, j'ai des leviers à deux positions, soit en haut, soit en bas. Si ça peut aider dans les symboles que tu trouves. Tu as combien de leviers ? 9. Wouh ! Wow ! Attends, tu m'aurais dit 6, j'aurais éclaté le joueur. Ouais, bah là, tu vas aller te les faire cuire, hein, ton 9. T'es une 9. Attends, 9. Il y a 7 notes de musique au mur. Avec des couleurs ? Bah oui. Moi j'ai des bouteilles avec des couleurs aussi, mais. Oui, moi aussi, de mon côté, j'ai des bouteilles avec des couleurs. C'est un rapport. Attends, tu as 9 leviers. Même le sol n'est pas innocent. On dirait qu'il y a des lattes qui manquent, mais ça forme des symboles. Attends. 9 leviers. Oui. L'espèce d'étagère sur la gauche, là, tu vois, où t'as les carrés et les triangles. Oui. C'est tout en haut et qui est. Enfin, 4 triangles en haut et 4 triangles en bas, mais c'est par 6, donc c'est pas bon. Si, j'ai 6 symboles par ligne. La ligne du haut, elle est simple, c'est que des carrés rouges. 6 carrés rouges. Ensuite, au niveau des triangles, la deuxième ligne, les 3 premiers sont vers le haut et les 3 derniers vers le bas. Mmh. Les 3 premiers triangles sont vers le haut et les 3 derniers vers le bas. Ah, mince. Les lattes, il y en a 9 au mur pour le truc qui s'est abaissé devant toi. T'en as 9 lattes, t'en as 6. Et je ne peux pas... Je ne peux pas déplacer les objets. Je peux les manipuler, mais je ne peux pas les déplacer. Tu peux aussi les pivoter aussi. Hein. Bon, c'est pas dégueu. Ouais. C'est, pour le moment, ça m'a rien apporté de bon. Enfin, de bon. De là, en dessous de la bouteille, des fois, tu peux. Non, il n'y a rien. Réfléchissons. On est d'accord que je ne peux pas interagir. Je ne peux pas interagir. Non, le code doit être de mon côté, je pense. Mais je l'ai pas... Attends, pourquoi il y a des symboles pour des looms? Ils ont forcément une signification. Les symboles sont reliés à des couleurs. Et c'est des assiettes qui me le disent. Alors, moi, dans les aides que j'ai, là, de mon côté, j'ai par exemple une assiette violette. Qui correspond au nombre 6. Et dessus, j'ai un trait avec un plateau et le sens de la flèche qui monte vers le haut. Donc du coup, moi, ça m'indique que le chiffre 6 doit être levé vers le haut. Le chiffre 6 doit être levé vers le haut. Et ça, c'est mon exemple qu'à moi. Donc lui, il sera forcément bon. Il faut que tu trouves les 8 autres. Oh. T'as quoi comme... T'as quoi comme couleur? On va regarder les couleurs. Ah, j'en ai plein. J'ai vert clair, vert foncé. Je vais mettre le 6 déjà, ce sera bon. J'ai du gris. Alors, est-ce que t'as du jaune? Oui. C'est où?
Avec un plus. Exactement. T'as quoi en dessous? En dessous, j'ai... Alors, je crois que c'est commun à toutes tes assiettes. Ah, t'en vois... Non. Toi, non, non, le sens c'est pas pareil. Exact, tu as raison. J'ai la flèche qui pointe sur la barre. La flèche pointe la barre. D'accord. Donc ça, c'est la 3 pour moi. Et du coup, ça serait en bas. D'accord, donc ça, c'est bon. Il faut du bleu. Alors, bleu ciel. Avec un triangle qui pointe vers le haut. Du bleu avec un triangle qui pointe vers le haut. C'est l'assiette qui était à côté de la jaune. Exactement. Là, la flèche, par contre, fuit la barre. Elle désigne tout sauf la barre. Donc ça, c'est la 1 pour moi. Ok. Qui doit être... C'était en haut, du coup, ça. Uh-huh. Ouais. Du vert foncé. Ouais, avec un carré. Avec un carré. La flèche pointe la barre. Donc ça, c'est en bas. Pour le 2, en bas. Ouais, c'est bon. On va passer en dessous. Une sorte de rose. Ouais, j'ai du rose avec une barre, tout simplement. Avec un moins, oui, c'est ça. Alors, en fait, la flèche pointe la barre. Elle désigne la barre, la flèche, ouais. Pointe la barre, donc ça c'est combien? Ça c'est 4. 4, c'est en bas, voilà. Donc là, il y en a combien? Une sorte de gris violet. Du gris violet, ça me dit quelque chose, elle est où avec celle-là? Avec étoile pivotée. Étoile pivotée, gris violet. Ah oui! Oui, j'aurais dit gris. Ça pointe la barre. Donc 7, c'est en bas. Ouais, 7, c'est bon. Après, on a un marron. Marron avec un triangle. Qui pointe en bas, ouais. Ouais, alors la flèche ne désigne pas la barre. Elle est à l'opposé. 8 vers le haut. C'est quoi bon. Ce son? C'est bon. J'ai un autre menu qui s'est ouvert. Alors moi, j'ai une partie de la pièce qui s'est déverrouillée. Ah. Oh putain. J'aurais pas mieux dit. Parce que ce que je vois, ça fait peur. Oui, bah moi aussi. Oh merde. Moi, j'ai une sorte de machine à café, pour te dire le truc, ouais. Avec des symboles. Ouais, des pailles et des glaçons, c'est ça, dans le verre. Moi, j'ai une... Je peux rien faire avec, par contre. Alors moi j'ai un bouton. Bah vas-y. Bah ouais mais il se passe rien. Donc il faut, je pense qu'il faille préparer le cocktail. Attends, je manipule des objets, je m'assure qu'il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait d'indices, mais... Oh, les salopards, il y a même des bouquins à manipuler. Ah bah j'ai mon pas verre, fini. Il a bougé. Oui. Mon verre il a bougé. Pardon? Le verre il a bougé, le verre. Bah parce que je manipule des objets, ton verre a bougé. Ouais. Il continue de bouger là? Non, il bouge plus, il est passé sous un truc rouge avec deux traits. Ah, c'est sûrement parce que j'ai appuyé sur le bouton. Et là, comme j'ai pas d'infos. Non, je pense que c'est à moi cette fois-ci de faire le raisonnement et d'avoir de la jugeote. Et puis là, j'ai rien pour t'aider là de mon côté là. Oui, bah repose-toi, t'as bien bossé, c'est à mon tour. Ah, attends, j'ai un afficheur. Mon dieu! J'ai entendu un bruit bizarre, on aurait dit une soupape au gaz. En fait, j'ai l'impression qu'il faut préparer des cocktails. Bah oui, moi j'ai des trucs de barman. Moi j'ai des glaçons et des pailles, mais ça dépend de la couleur. Oui, bah là j'ai mis un truc avec du vert. Un truc avec du vert. La couleur, ouais. Tu veux dire, pas l'objet. Ouais, la couleur verte. Donc là, je serais plus dans le... Alors si je regarde tes trucs là... On a le droit pour moi. Essaye de faire le marron qui est en bas à droite là. Le marron en bas à droite, celui-là. Et B. Ouais. Là j'ai mis un vert dedans. Le vert avec le moins en biais, ça je l'ai mis dedans. Il faudrait du coup que je mette du bleu et de jaune. Ouais. Je sais pas comment faire. Là, je t'avouerai que je sèche. En fait, c'est moi qui ai les recettes et c'est à toi de faire le cocktail, j'ai l'impression. Essaye de rappuyer sur le bouton pour voir si mon verre il bouge, pour essayer de le déplacer. Ah là, c'est bon, là, il est sous le bleu. Alors, attends.
J'ai du bleu? Ouais, j'ai du bleu. Ah, attends. Voilà. Il faudrait deux jaunes, mais ça, il faudra le faire revenir. Est-ce que tu peux le faire revenir? Le jaune? Ouais, parce que mon jaune, il est sur la gauche, en fait. Ouais, mais il faut que j'appuie sur le bouton. Ouais. Ah, ils sont noirs. Encore? Encore. Encore? Ah. Non, il est pas bon. Alors, on va recommencer. Mais on a compris le truc. D'accord. Alors, appuie un cran. Mm-hmm. Bouge plus. 1, 2, et on va faire le vert et le bleu. Donc, tu appuies deux fois. Voilà. Et encore une fois. Et là, tu appuies trois fois. Ah, c'est pas le bon. Donc c'est pas le bon cocktail, faut trouver le bon cocktail. Waouh. Ah, par contre, j'ai 3 glaçons et une paille. Est-ce que t'as ça dedans? 3 glaçons et une paille, oui. C'est le verre. Et j'ai un verre qui est vert. Oui, c'est ça. Alors, appuie une fois. Un, deux. Appuie 3 fois. Une fois et deux fois. Ah, on a réussi un premier cocktail sur 4. Ah, il en faut encore 4. Ibi. Donc là, j'ai un verre orange avec 3 glaçons. Orange, 3 glaçons. Ah oui, je vois. Faut regarder la recette. Bah, t'as un égal donc, sur un fond bleu. Donc violet, c'est bon. Vas-y, avance une fois. D'accord. Une fois. Je suis au rouge. Deux fois. Merde, j'ai mal cliqué. Ah. C'est ma faute. Ah, raté. Non, vas-y, reclique, c'est pas grave. Vas-y, encore. Encore. Alors, on avait quoi comme couleur? Donc ça, une fois. Vas-y, appuie une fois. Mmh. Appuie encore une fois. Appuie deux fois. Trois fois. Joli. Là. Là, j'ai un verre violet et deux glaçons. Ah oui, je vois. Ah, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, c'est les. J'ai plus les couleurs là, c'est les symboles. Mmh. Alors, donc ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Faut que je prenne dans l'ordre aussi. Hein. Ouch. Donc on va faire celui-là. Donc 1, 2, 3. Appuie 4 fois. Hop. Une fois. Et encore une fois. Vas-y, encore. Bien. Oh, yes. Là, j'ai un verre bleu tout vide. Un verre bleu tout vide, c'est là-haut. Alors, c'est quoi les codes? La croix, le égal en rotation et encore égal normal. Alors, ça, je peux le mettre. Ça, c'est une fois, ça, c'est deux fois. Donc, deux fois. Deux fois encore. Et trois fois. Oh, oh, je vais sortir. C'est vrai? Ouais. Wow, bravo, t'es un chef. Ah mon dieu, je viens de comprendre le coup des codes des couleurs. Oh, rappelle-moi de jamais faire barman dans la vie. Oh. Oh, c'est de l'art. J'adore, je croirais dans Minecraft. Je veux ces tableaux dans Minecraft, ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Oh là là, il y a des leviers par là.
Oui. En plus, je voudrais pas dire, mais c'est un chat. Miaou. Regarde les boulevier de couleur là sur la gauche là. Waouh, oui, et puis j'allais dire, c'est une cuisine tout équipée. C'est une machine à crème glacée. Tu veux quel parfum? Des gobelets, des placards, on peut rien faire avec. Un frigidaire, non, c'est un placard, on peut rien faire. Attends, 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 on peut rien faire, je vois un objet moi. Et un truc à code. Bizarre. Et une porte qui, je sais pas. Je trouve bizarre qu'il y ait des objets géométriques et qui se répètent du même modèle un peu dans toutes les pièces. J'ai l'impression qu'à un moment on va être invité à revenir sur nos pas et à compter tous les objets de toutes les pièces. Hein ? Hé ! Tu as vu Twinsen ? Regarde le meuble. La pomme rouge est dans l'emplacement 1 alors que la pomme verte est dans l'emplacement 2. Oui. Tu vois ? Ouais, mais je sais pas si ça... Oh, c'est sûrement un code. Il y a quoi en 3? Le vide? Le 3 serait le néant? Il faut deviner. Ah non, le 3 c'est là, c'est la pomme jaune. Je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Mais il y a des leviers avec des couleurs, là, regarde, sur le mur, là. Bah attends, alors le premier c'est le rouge. Ouais, j'ai deux rouges, à deux positions. Comment ça? Voilà. Eh ben, un coup. Voilà. Le vert en 2. Mais il est fou. Mais il y va. Les leviers, ils ont 3 positions. Les leviers ont 3 positions, attention. Ah merde. Donc ça complique. Bon, merde homme. A défaut de pomme, on est tombé sur un pépin. Ah là, il n'y a rien pour aider. Parce que là, il faut un code après. Ah. Attends, c'est un code à combien de chiffres? 3 chiffres ou 4? 4... Ah non, 3 chiffres. Ou bon, 4. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais à mon avis, le code, enfin, l'aide, il doit être derrière. On peut pas déplacer ça. Tu observeras que les cahiers avec les couleurs, là, semblent vouloir dire associer des symboles aux couleurs. Je sais pas trop. C'est possible, c'est pas exclure. Ah la vache. On va regarder les objets, hein. On va regarder les objets, on sait jamais. Si sont ce qu'il y a au mur, c'est forcément une signification. Attends, je garde mon idée du... Surtout s'il y a un ordre. Donc, rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Attends, il y a le gris, rose, orange. Gris, rose. Ah oui, mais l'orange, c'est un mélange de deux couleurs. Merde. Il n'y a pas un truc de noir, violet, bleu? Bah si, les cahiers. Violet, noir en 2 et bleu en 3. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai le... Attends, c'est bien le nom. Je pense que ça, j'ai pas juste. Ah, ou alors... Mais non, ça n'a pas de sens. Faut pas compter ce qu'il y a dans le dans la jarre, si. J'ai quoi? J'ai 4 pommes... Attends, je vais être impoli, je vais monter sur la table. 4 pommes rouges, 4 pommes jaunes. Non, ça veut rien dire. Le rouge, il est où, le rouge? 4 pommes rouges et... À gauche. Oui. Ah, c'est pas con. Je te l'accorde. On peut le lire le comme vert, ça aussi. T'as du vert quelque part? Message de Torota 77, ah, oui. Bon, supposition, des couleurs pour 3 positions différentes, là, gauche, et droite, milieu et droite. Alors, bon, t'as une suggestion de Torota qui nous dit, des couleurs pour 3 positions différentes, gauche, milieu et droite. Ouais, mais regarde par exemple, tu vois là, la pomme là-bas, la rouge là, qui est là. Oui. Ah, tu vois, il y a 3 crans et elle est à gauche. Exact. Quand tu prends la pomme verte à côté, là, regarde, elle est au milieu. Exact. Donc du coup, si on prend les cahiers ici, le bleu, il serait à droite. Tu vois? Ah, malin. Le violet, alors c'est un violet ou un rose, ça? Oh, je dirais rose. Donc lui, il serait à gauche. D'accord. Tu vois? On peut trouver les trucs comme ça. D'accord. Donc il reste le noir et le blanc. Ah non, attends. Donc le blanc, il serait...
il serait à gauche, si on prend le tableau, qui est juste au-dessus de l'évier, et le noir, il serait au milieu. Donc il serait bon. Mais là, il y a un problème quelque part. On a dû rater un truc. Ah si, bah il est au milieu. Ah mon dieu, t'as réussi un truc. Bravo. Voilà. J'excède le poids de la balance. Bah non, t'es... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, je suis pas dedans. Reviens dans 10 kilos, petit. Attends, mais y'a un truc qui s'ouvre quand tu montes dessus. Ah bon, mais quoi? Bah, je sais pas. Je vais péter la balance. C'est pas le plafond qui s'est ouvert avec un indice? Non. Ah bah non, je suis con, c'est le truc qui a coulissé. Attends, je vais aller de l'autre côté, on sait jamais. Je veux bien, s'il te plaît. Vas-y, descends pour moi. Oui, je suis descendu. Vas-y, on monte dessus. D'accord. C'est bon. J'ai une sorte de damier de jeu d'échecs qui apparaît. Ah bon? Ouais, l'autre côté. Ah. Et je peux rien faire avec. Ah, je vois. Je vois. J'ai l'angle qu'il faut pour voir. Pardon, faut que j'arrête de gesticuler comme un ego. Et je ne sais pas du tout ce qu'il faut mettre dedans. Redaillonnet. Oh, j'adore cette bagnole. Bien, bien joué, Nayonet. Et tu me mets dessus, moi? Oh! Ne bouge plus, t'as déclenché plein de trucs. Ah, attends, j'ai un tableau qui s'est affiché avec plein de chiffres. Bah, moi, j'ai symboles 9. Sur fond bleu. Oh, et merde. J'ai l'armoire dans le frigo qui s'est ouvert. Ah, et puis moi, je vois une porte de l'armoire. Oui, c'est ça, on voit la même. Oh, mon Dieu. Et si je descends? On voit plus rien. C'est ça. Donc on est prisonnier de nos positions. Il faut faire quoi avec ça? Parce que si je fais ça, toi, t'es dans la muse. Ah bah oui. La bonne blague. 1, 2, 3, 4. Moi, je vois un triangle qui pointe vers le haut, un cœur, une étoile et un losange qui pointe vers le haut. Ah, c'est intéressant. Au niveau de l'armoire. Et au niveau des chiffres, bah, j'ai de 0 à 9 mélangés sur un tableau. D'accord, alors que moi j'ai beaucoup plus de symboles. En plus de ceux que tu as décrits, moi j'ai le pic, j'ai l'étoile de David à 6 pointes là, j'ai un cercle creux, j'ai un demi-cercle creux avec un demi-cercle plein, j'ai un carré plein et un cercle plein. Ouais, c'est quelque chose en rapport avec. Waouh! T'as mis un truc au sol qui est apparu, non? Regarde. Oh bah. Comment ça? Juste devant toi par terre. Oui, bah c'est ce que je t'ai décrit. C'est les symboles sous fond bleu. Et l'armoire, tu la vois l'armoire ou pas? Bah je la vois qu'elle a ouvert sa porte, mais je peux pas lire l'intérieur de la porte. C'est toi qui. Ah donc ça, c'est moi qui peux lire l'armoire. D'accord. C'est ça. Mais je vois bien que la porte est ouverte. Et toi, t'as d'autres symboles. Tu veux qu'on intervestisse nos positions? Ah bah non, on peut pas. Tu fais pas le poids. Si, ah bah oui. Ah bah oui. C'est nul. La 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 la. Ça c'est fait. Bah, pourtant on chauffe là. On doit pas être bien loin. Attends, ouais, j'en ai c'est pas bien. Ah puis on peut pas revenir en arrière. C'est fermé. Déjà c'est foutu. Et comment on peut faire? Parce que moi j'ai. Et je peux rien mettre dessus pour prendre mon poids quoi. Tu vois, je peux pas. Oui, je sais bien. Mais on n'a pas le droit de manipuler les objets. Enfin, on n'a pas le droit de prendre les objets. Nuance. On peut les manipuler, mais on peut pas les prendre. Non, il faut. N'oublie pas que le but ultime est de trouver une combinaison d'un nombre à 4 chiffres. 3. Ou 3. Je crois que c'était 3. Ouais, mais j'ai vu le cadran, je voyais de quoi écrire 4. Mais c'est, on est. Voilà. On va chercher. Parce que moi j'ai 4 symboles au niveau de l'armoire. Oui, répète voir. T'avais le triangle, le cœur, l'étoile. Donc j'ai le triangle qui pointe vers le haut, plein, le cœur toujours plein, l'étoile à 2, 4, 5 branches. 5 branches. Et le losange qui pointe vers le haut. D'accord, donc tu vois, t'as tous mes symboles sur la droite. 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. On est d'accord que t'as tous les chiffres de 0 à 9. Oui, 0 compris. Il te semble mélangé ou est-ce qu'on peut dire oui. Que tes chiffres sont présentés sur 4 colonnes? Ah non, c'est. C'est un méli-mélo? J'ai une colonne de 3, une colonne de 2, une colonne de 3, une colonne de 2. Ah bah comme moi.
D'accord. Alors, si on lit naturellement de la gauche vers la droite, quels sont tes quatre derniers chiffres? C'est-à-dire les deux derniers de la troisième colonne et les deux, les deux de la quatrième colonne, s'il te plaît. C'est quoi? Alors, si on prend la colonne qui est tout à droite, j'ai que deux chiffres. J'ai le 2 et le 6. Ouais. Et la colonne qui est juste avant, j'ai trois chiffres. 1, 7, 9. Alors, attends, je vais l'écrire. Bouge pas. Parce que je pense que j'ai trouvé le truc. C'est très con. Attends, j'ai un stylo. Ouais, non, je vais prendre un stylo classique. Je vais prendre le verso d'un ticket. Faut que tu me donnes les. Parce que moi, j'ai les symboles de l'armoire qui correspondent à tes symboles sur ton tableau. Et les positions de ton tableau me donnent la position du coup du chiffre. Oui. Voilà. Alors. Déjà, au niveau de l'armoire, j'ai, on va dire, le triangle qui pointe en haut. Alors, ton triangle qui pointe en haut. Enfin, non. Le 2. Ça serait le 2. Donc pour toi ce serait le 2, ok. Après j'ai le cœur, donc le chiffre juste en dessous. Ce serait quoi pour toi le cœur? Le 6. Le 6, ouais. Après j'ai l'espèce d'étoile machin qui est... Donc ça serait le 7. Ça ce serait le 7, je me le note. Et le losange? Ce serait quoi? Non, j'ai rien. Je peux avoir un message d'une face de Twitch. Il est où le losange? Il est à gauche ou à droite? Moi, mon losange, il est sur la troisième colonne en bas. Ça serait le 9. 9. D'accord. Donc tu aurais du coup... Alors c'est sûrement les chiffres de la combinaison. 72, 96. Non, pas 72. 72, 96. Non, pas 72. Je sais pas, je tente ma chance. Tu vas trop vite. Oui, je suis un peu décousu, j'avoue, mais comme il n'y a plus que 4 touches valables dans nos combinaisons. Essaye 2-7-9. 2-7-9. C'est pas ça. Attends, je réfléchis. 2679. C'était ça. Voilà. Merci, Tunsen. C'est vrai qu'on joue. Ouais. Re-Christella. Faut être dessus. Hé hey, Nayone a raison. J'avais oublié l'existence de jeu. Il faudra qu'on fasse le point, parce qu'évidemment, il est payant, mais il est excellent. Je sais pas si tu connais le Keep Talking et Nobody Explose. Hein? Le jeu de la malle avec la bombe et les symboles. C'est excellent. À faire en binôme, c'est à se fendre la poire. Mais très bien. C'est vrai que je connais ce jeu, il est excellent. Et oups. Oh là là. J'aime pas le crâne de mort, ouais. Ah, des costumes et des chapeaux pour toi. C'est vrai? Regarde. Le chapeau de Capitoun. C'est quoi, j'ai un bol? Oh là là, c'est le crâneur, c'est la mort. Il est un beau bateau pirate, hein. C'est beau. Ah mon dieu. Regarde. Tu vas faire raft avec moi, Tunsen. Mais reviens quand tu seras grand. Regarde, regarde. Quoi? Il y a des des vêtements, etc. Ils ont mis des couleurs par rapport à ce qu'on voit derrière. Oh, j'adore ce tableau. Pour Minecraft. Oui. C'est beau. Regarde, là, les vêtements, là, ils ont des codes au-dessus, là, tu vois, des noms. Tu as raison. Donc, et ils ont des couleurs, casquettes, t-shirts, chaussures, etc. Et il faut les remettre sur le truc derrière. Il faut trouver le bon nom. Et il y a un nom sur le bateau. Je vois d'ici le nom du bateau. Donc ça serait... Le Hollandais volant. Quoi? Joli polo vert, une scène. Ah oui, c'est vrai. Alors, beau gosse. Le blondinet. T'as quelque chose à dire? Hop, le barbu. Arrête, j'ai fait une capture. Oh l'autre, oh merde. Demain matin dans le Discord, Wanted, le barbu. Pas vraiment charge du tout. Faudrait essayer de trouver une couleur commune. Tu vois, là par exemple, sur le deuxième et troisième, il y a le marron au niveau des chaussures et du pantalon. Eh, bonne déduction.
Donc il doit y avoir un symbole commun. Comme par exemple le H. Mmh. Donc du coup, si on lit le truc, il faut le prendre à l'envers. Attends, j'ai bien ta déduction, tu vas trop vite là, mon cerveau est déjà en train de se liquifier. Attends, toi, H serait égal au marron. Oui, mais si on prend l'ordre d'écriture, tu vois, en fait, il part du bas vers le haut. Sachant que le H, c'est le marron. Dans le deuxième, on a le H, et dans le troisième, on a le H, mais qui est en deuxième position. Au niveau du nom. Ok. Tu vois ? Oui, je vois. Donc, si on prend le symbole qu'on voit au fond là du bateau, le H, ça serait le marron. Mmh. Qui serait du coup le deuxième. Le deuxième, donc, qui serait en bas. Donc là, on devrait mettre le marron. C'est-à-dire. Ça ? Non, c'est jaune. Ça ? C'est un marron, ça ? Oui. Mmh. Oui, on va dire ça. Mmh. Du coup, du pantalon. Mmh. Après, il faut trouver l'espèce de. Donc, du coup, si ça, c'est le marron, là, le fameux H, on peut dire que l'espèce de note de musique, là, du dernier, là, le premier. Oui, ce serait l'orange. C'est le blanc. Non, le blanc. Pourquoi ? Pour les chaussures. Ah bon ? Ah, d'accord. D'accord. Bon, bah, je serai pas à côté de mes pompes. Ouais. C'est à essayer parce que voilà. Oui, tout est bon à essayer, c'est une logique. Là, on a une sorte de point d'interrogation, donc ça serait du coup du orange. Ah bon, ok, on fait orange. Ouais. Et la casquette ? Et la casquette, du coup, là, qui serait là, ça serait du bleu. Non. Ouais. Non, ça bouge pas. Bon, plutôt turquoise, mais. Il est comment ton bleu ? Ah, c'est de la veste ? Et tu vois, il y a un exemple à droite là. Attends. Avec une sorte de point d'interrogation au niveau du pantalon. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Mais quoi ? Ah oui. Là, à droite, il y a un. Oui, effectivement. C'est pas les toilettes, mais oui. la. On doit pas être bien loin au moment de la solution, mais. Attends, l'autre côté du navire, y a rien au niveau de l'ancre. Hop. Ah ouais, d'accord, non, mais c'est la suite dans la prochaine salle. Hop, oui, punaise. Je veux même pas regarder. J'ai trop peur. Pantalon. Moi, qu'on prenne le troisième comme exemple. Eh ben, vas-y, laissons ta théorie. Donc, blanc, orange. Là. Il est trop fort. Je suis sûr qu'il va trouver une scène, il est trop fort. Non, c'est pas. Même pas un bouton, il n'y a rien. Alors, attends, Christella qui dit. Ouais, qui est une scène, le roi de la capture d'écran. Regardez le signe à côté du pantalon sur le tableau. C'est un symbole des toilettes. Quoi ? Ah non, on voit qu'il y a quatre parties : la tête, le haut, le bas et les pieds, et puis il y a quatre symboles. Oui, donc le symbole là désigne le froc, enfin le pantalon. Oui, et là, on voit que l'exemple, du coup, faudrait essayer de trouver. Du coup, le bon, il sera l'orange. Ah, il a peut-être écrit à l'envers celui-là. Ah. Bon, du coup. Bleu. Je suis complètement dépassé là, j'arrive pas à suivre le raisonnement d'une scène, mais il est sur une piste. Ok. Donc il y a du blanc en haut. Non. Ah. Qu'est-ce que t'en as ?
Attends, moi je vais essayer de réfléchir aussi. Pardon. Qu'est-ce que j'ai pantalon. Qu'est-ce qu'ils ont commun, ces deux tenues, le blanc. Le blanc, par le marron, j'ai pu dire tout à l'heure, mais je vois pas trop le. Mm-hmm. Non, le pantalon est blanc. Attends, je me permets de reprendre la main. Hein. Ouais, essaye, on sait jamais. Hein. Si le pantalon est blanc, le reste veut dire par rapport au symbole. Donc attends, ça, ce serait le pantalon. Le pantalon serait blanc. Parce que c'est commun, où là on retrouve le symbole, c'est le blanc. Les autres couleurs. Ah, mais oui! C'est le nom du bateau qui donne la position des... les chaussures, c'est l'espèce de peigne à deux branches. Qu'est-ce qu'il y a de commun en peigne à deux branches dans... entre le premier et le dernier mannequin, quelle est la couleur commune? Aucune. On distingue le rouge de l'orange dans le jeu ou pas? Oui, oui. Le short avec les chaussures. Oui, oui, il y a du rouge. Ah, mais non, je suis con. Mais si, c'est en commun. C'est la veste avec la coiffe. C'est du turquoise. Donc les chaussures sont turquoises. Les chaussures. Donc on va. Bah non, c'est du blanc ça. Bizarre. Il a passé, c'est à côté du bleu. Normalement, ce serait. Ouais, sauf qu'il y a pour. Celui-là. Ça sent celui-là. Ouais, mais c'est du mauve, c'est pas du turquoise. Tu parles de celle-là? Non, je parlais du premier et du dernier mannequin. Comme ils ont en commun dans les symboles, regarde. Le premier et le dernier mannequin ont en commun comme symbole l'espèce de peigne à deux dents. À la fois dans le premier mannequin en deuxième position et en dernière position dans le dernier mannequin. Parce qu'en fait, ce symbole-là, tu le retrouves en dernier sur le nom du navire. On pourrait croire que, tu vois, c'est le pantalon suivi des chaussures. Donc si tu me suis dans la logique, la note de musique serait la tête, là, la coiffe. Si la note de musique est la coiffe en commun, quelle couleur ont en commun ces deux mannequins puisqu'ils ont la note de musique? C'est pas le blanc, c'est l'orange. L'orange serait la coiffe. Ce serait ça. Ouais. Et le short, c'est le H. Le H en commun des deux là. Quelle est la couleur commune des deux là? Je dirais que c'est le marron. Donc, le short serait marron. Oh merde, mon raisonnement ne tient pas. Merde. Non, je pense qu'il faut oublier ce qu'il y a au niveau du navire. C'est une pièce à part. Je pense que c'est plus con que ça, faut vraiment sentir ce qu'il y a dans la... Je pense que ça nous induit en erreur de voir ce qu'il y a à côté. Parce que ça, c'est une future épreuve à côté, là, le navire. On voit qu'il y a un truc de casse de couleur, là, au mur. On va repenser cette salle-là en ignorant le navire. Donc, attends, j'ai des codes couleurs. Oh! Attends, il était où le raisonnement du truc? Ça, c'est une bonne question. Oui, tu l'as fait au pif, on est d'accord. C'est une bonne question. Le chapeau, il est espèce de... Alors, si on prend le bas, tu vois, là, t'as les chaussures blanches. Oui, merci pour le GG. Merci pour les souhaits. Attends, pardon, le mannequin, tu as les chaussures blanches, quoi? Oui. Ah, ouais, les chaussures blanches. Oui. Bon, du coup, les chaussures, le blanc... Mmh. Ça devrait être l'espèce de point d'interrogation, là. Mmh. Non, même pas, parce que le chapeau non, il est ça deux tient poids, pas. Là. Non. Ça se tient pas, ton histoire. Le H. Ça, c'est fou, c'était des variantes de couleur bleue. Mmh. Le H et en haut, la casquette en bleu. Le point commun des deux, c'est le peigne. Ah, oh, c'est bizarre. Ah, c'était pas forcément dans l'ordre par rapport au nom du navire. Ah, bah
Voilà pourquoi. Au niveau des symboles. Mais il y avait bien la logique de trouver en fait quel symbole est commun à deux mannequins et en déduire la couleur en fait. C'est ça. Bon, le navire. Eh ben dis donc. Y a plein de trucs. Oh là là, regarde sur la droite là, il y a une sorte de truc de fléchette là et au fond un truc avec des chiffres là. Ouais, je vois ça. Ça se tourne. Oh mon dieu. On va mettre un code. On va mettre un code. Il y a des bouteilles. Et le code il est en haut en fait. Tu vois la 4-3-4-8. Le truc est cassé. J'ai un marteau. Et il me sert à rien. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, j'ai un quoi. Aïe. Attends, il y a un truc qui m'intrigue. Ah oui, parce qu'il y a les couleurs, il y a les traits qui sont bizarres. Là, je vais éventuellement regarder si à l'autre côté, à l'opposé, il n'y a pas quelque chose. Mais ah oui, 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 il y a quelque chose. Oui, il y a le 9 en noir qui est là-bas. Ah, là, il y a un panneau. Ah, il y a le 6 qui est en trait blanc. Attends, il manque. Il y a. Oh merde. Oh, il y a un jeu de couleurs, t'as vu? Regarde sur la tranche du pont. Mais là, tu prends par exemple là, le chiffre, là, tu vois là? Oui. Il y a un chiffre là, par exemple, par terre, là, le 9. Oui. Il est vert. Oui. Bah là, t'as le 6. Là, où je suis. Et en fait, il y a deux traits. Oui. Et où toi? Oui, là où il y a le 6. Regarde, ça c'est un 6 retourné. Ouais, là, il y a du rose ou un blanc là. D'ailleurs, il y en a un là, je crois. Ah, là, il y a un autre chiffre, il y a l'8. Là où je suis, il y a l'8, une scène. Mais de quelle couleur? Il est rouge. Regarde. Ah, il est fini celui-là, ça sera un 8. Et ça, c'est le 4 qui est en rose. Le 4 qui est en rose. Tiens, d'ailleurs, en fait, là, oui. Ça doit faire une série de. Ça doit faire une série de chiffres. Aïe, oh. 5. 1, 5, 6, 4, normalement. Au premier. 1, 5, 6, 4. 1, ouais. 5. Putain, il est trop fort. 1, 5, 6, 4. Merde. 1, 5, 6, 4. Wow. Non, c'est pas ça, il n'y a pas de bruit. Ah oui. Je vais visiter le bateau, c'est jamais. Visiter le bateau, c'est jamais. Il fait bao. Ah, j'ai un autre chiffre là, j'ai un 4 blanc. Oh. Oh, mon bateau. Tu es le plus beau des. Tiens, là, il y a encore le nom du bateau là, avec le déguisement là. Ah, tu as raison. C'est le même nom, heureusement. Oui, tu me rassures. Je le reconnais, c'est le Caraboudjan. Attends, Carabidjan. On pas le 4. Ah, il y a un 4 vert. Ouais, ouais, je l'ai vu aussi. J'aime bien le style graphique. Et du coup, ça serait 4-3, il faudrait trouver un autre vert. Oh, il y a un truc là-bas, on l'a pas vu. Regarde là. C'était lequel celui-là? C'est le 9 en jaune, deux traits jaunes le 9. Je crois qu'il va falloir écrire tout partout. Enfin, tout noter. Quel lien il y a entre les couleurs, les nombres, enfin les chiffres et portel. Ah, je comprends. Il y a un jeu de calcul avec les nombres et les couleurs. Alors attends, il faut se mettre là pour comprendre. Donc si j'additionne le rouge avec le bleu et que je soustrais le jaune, je trouve la bonne réponse. C'est ça. C'est ça. Pourquoi additionner et soustraire et pourquoi pas tout additionner? Regarde, rejoins-moi, Tunsen. Regarde la tranche avec la combinaison de calcul. Tu vois? Et alors? Eh ben, il faut additionner chiffre de la première ligne avec la deuxième ligne, mais soustraire la troisième ligne. Et là, on va avoir notre combinaison à quatre chiffres. Donc déjà la rouge, on va trouver la rouge. Alors, 1, 5. Ça mis feuille dans un coin. Ouais. 1, 5. Ensuite, 6. T'es sûr?
Bah, je sais pas s'il est en 3ème ou 4ème position, mais il y a un 6 rouge. Non, 6, ouais, c'est ça. 1, 5, 6. Faut trouver le rouge qui ferme. Il était pas à bord, le nombre qui ferme. L'autre rouge, le 4ème. Attends, je vais chercher. Moi, je suis là au cas où. Oui, bien sûr. Ah non, je suis un idiot. Ça, c'était vert. Attends. Ah, j'avais pas vu. Non, ça, c'est blanc. Merde. Il est où le signe? Ah, ça me rend fou. Ça, là-bas, oui. Attends. Ah! Au secours, je tombe dans l'eau. Je suis dessus. Oui, vas-y. Ça, c'est du vert. C'est du vert, ça. C'est un œuf. C'est un œuf qu'on va aller se faire cuire aussi. Il doit être sur le bateau. Oh, mon bateau. Attends, je vais y aller. Il y a un objet. Ah bah c'est ça, c'est le 8. Il est là, le rouge. C'est un 8. C'est un 8 qui ferme, c'est ça, normalement. C'est ça. Oh. Ouais, t'as vu? Tu marches dessus. Ah. Mais il est agité, ce gamin. Ouais, c'est ça, c'est un 8. Donc après, du coup, le bleu, on a 7, gnagnin, 8, 5. Alors, il est où? Et le bleu qui manque, il doit être un bateau. Enfin, je vais y aller. Vas-y, va sur le bateau. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Ah non, j'ai du blanc. Ah merde. Mais il y a deux panneaux hein, sur le bateau. Ah non, j'ai un vert et un blanc. Ah bon? Donc c'est pas ça. Merde. Attends, faut bien ouvrir grand ses yeux. Ouais, t'as le vert, t'as le blanc qui est là, le vert qui est là. On cherche un, je sais déjà plus quelle couleur, un bleu. Bleu. Enfin, je regarde si c'est un bleu bleu ou si c'est un... Oui, c'est un bleu bleu. C'est un bleu bleu, ouais. Ou enfin, j'ai un rose. Un bleu bleu. Il est où le bleu? Attends, il y en a un là. Et c'est bon, je l'ai, c'est le 2. Oh. Ouais, c'est le 2. Bravo. T'as noté? 7, 2, 8, ah 5. Non, j'ai rien noté, moi. Bah, faut noter les chiffres. Ah, je crois que tu le faisais toi de ton côté. Alors, pardon. Ah, bah non. On recommence, je t'écoute. Donc pour le bleu, 7, 2, 8, 5. 7, 2, 8, 5, c'est noté. Et le rouge, je suis là, le rouge? Dis-moi tout pour le rouge, j'écris la ligne. Alors 1, 5, 6 et 8. 1, 5, 6, 8, ouais. La dernière ligne, le verdâtre, là. Donc le vert, on a... 3 et 5. Alors, il doit être sur le bateau, le premier. Attends, je vais aller chercher le premier. Enfin, je vais aller chercher sur le bateau. Aïe, on va y arriver. Doing. C'est un 4 avec un avec les trois bords colorés. Ouais, c'est ça. Donc c'est un 4. 4. Alors en première ou en troisième position le 4? Non, en premier. 4, 3. Donc ça fait 4, 3. Quelque chose 5. Voilà. Ah, je crois que... Attends, il est où? Ah, il est peut-être là-bas. Et tu mets 9-5. D'accord. 4-3-9-5. Alors, l'heure de la soustraction, addition, poil au troufignon. Maître Bertrand, maître Renard. Alors, 7 plus 1, 8, moins 4, 4. Attends, si je fais plus, je fais moins. 8 moins 4, ça fait 4. 2 plus 5, ça fait 7. Moins 3, ça fait 4. 8 plus 6, ça fait 14. Moins 9, ça fait 5. 5 plus 8, ça fait 13. Moins 5, ça fait 8. La combinaison est 44-58. C'est ça? Suspense. Oh, quelque chose a bougé. Fait... On a gagné. Mais où? Peut-être sur le bateau, je pense. Sur le bateau! On se précipite sur le bateau! Ah non. Alors? Bah, il y a un truc qui a bougé pourtant. Ouais, mais où? Ouh, c'est scandaleux. Je vais revenir de l'autre côté, on sait jamais. Attends, je vois rien. Oui, vas-y. Oui, on sait jamais, comme tu dis. Qu'est-ce qui a coulissé? Fermé.
Il y a bien un truc, on a entendu quelque chose. Oui, 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 donc peut-être c'est que le code était bon. Oui, 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 on a vu juste, mais après pourquoi? Ah merde alors. Il y a rien qui me semble être apparu. Non mais ton intuition était, je pense, la première, la bonne. C'est qu'il y a quelque chose sur le navire, mais on n'a pas vu. Bah merde alors. Ah. Ça serait pas le plafond qui s'est couvert? Non, j'ai pas fait gaffe, mais... Non, non, non. Il y a toujours en cercle le ciel, au niveau du mât. Ah quoi? Regarde, j'ai trouvé un trou, là. Ah bon? Ou un trou, là. Oh mon dieu, tu dois t'y faufiler, malheureux. J'ai pas le gabarit. Et puis moi, je suis vieux, j'ai de l'arthrite. C'est ça. Ah, puis là, j'ai une photo de toi de là-bas, là. Pardon. Oh, tu es fait prisonnier, comme d'hab. Non. Ah bah oui, merde. Oh, la porte s'est ouverte. Où ça? Moi, en face de moi, dans la cabine du capitaine. Ah bah oui, non, je peux avancer, là. Ah, bah avance. Putain, les lignes de merde. Moi, j'adore la déco de la cabine du capitaine. C'est compliqué là. Oh là là là. Oh là ah là. Bon, mon à ce point. Ah mon dieu. Il y a un homme, il a un nom. Ça fait quoi si j'appuie? Oh. Mais qui est cet homme? Le blanc. Comme dans les sketchs de Gad Elmaleh. Chez le blanc. Je teste des trucs. Test, test. On m'a fait prisonnier. Ah, j'ai une sorte de... J'ai une sorte d'une carte de trésor. Ah oui, alors. Moi, j'ai le trésor. Enfin, je peux pas l'ouvrir. Avec une croix en haut. Une croix et une sorte, je crois... Je pense que j'ai le bateau. Il faut emmener le bateau de côté, on a dit. Oula, c'est un jeu d'adresse, ton truc. Et je sais pas comment on fait. J'ai des cernets de symboles devant moi. Bah, moi, on dirait un peu une chambre de gamin quand on regarde la déco au mur, parce que les lettres dans tous les sens, c'est pour apprendre l'alphabet. Là. Ouais, bah, moi aussi, j'ai ça, j'ai des lettres. C'est... Non, mais c'est des lettres nord, sud, ouest, est, etc. Ça. Mm. C'est normal. Mm-hmm. Mm. Oui, c'est vrai. Tu peux pas ouvrir le coffre? Non, je peux pas interagir avec. Il est devant moi, mais je peux pas interagir avec. Remonte-moi ton symbole rouge au-dessus là. C'est lequel? Ah, oui. Que j'ai un symbole comme ça, moi. Ah bon? Ouais. Attends, si j'appuie dessus. Mmh. Ça passe sur rien. Oh, si! Tu as fait changer mon symbole! C'est fou. Attends, bouge pas, je regarde ton écran en même temps, c'est plus simple. Oui, tu m'étonnes. On trichote, mais le jeu a du mérite. Oh. Alors je me trompe pas de machin. Ce serait celui. Eh bien. Je vois des choses. Là c'est cette croix là. Hein? Mais comment? Oh oh. Attends, adieu. Mururoa. Oh là là, j'ai deux petits boutons maintenant de mon côté. Oh, on va jouer à la bataille navale. H4. Toucher ou couler? Ah oui, moi j'ai au bas et toi t'as gauche droite. Ah oui. Et on a un peu le même chemin au niveau des cailloux. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut emmener, c'est le bateau que tu vois là. Mm. En haut à gauche, au niveau du trou là. Mm-hmm. Ouais, je vois Il faut l'emmener là. Donc faut faire ça. Donc essaie de monte deux fois, monte deux fois. Deux fois. Laisse-moi faire. Ah! J'ai percuté un truc. Donc c'était pas bon. Monte trois fois. Trois fois? Oui. J'ai changé de chemin. Bouge plus. Est-ce qu'il y a un obstacle devant moi? En quel sens? Non, pardon, je reformule, c'est maladroit. Est-ce qu'il y a un obstacle devant toi? Oui.
Ah merde, la proue du navire. Alors essaye de voilà. Descendre. Oui, essaye. Y a quelque chose devant le navire? Non, tu peux encore y aller une fois. Ok. Donc là, je monte ou je descends, à ton avis? Monte. Tu peux monter deux fois. Ne bouge plus. Là, j'ai chemin vide pendant longtemps. Hein. Je peux faire deux fois devant la proue du navire. Fais deux fois. Ok. Maintenant, toi, tu peux monter deux fois si tu veux. Ouais. Ok. Là, est-ce que je peux encore avancer de deux cases? En plein même, plein. D'accord. Toi, maintenant, tu devrais monter au maximum de deux cases. Je peux que monter d'une case, mais après, j'ai des cailloux autour. Donc, il faudrait plutôt descendre. Ah, on peut aussi descendre. Ouais, donc là, c'est on va vrai. Descendre. De deux mouvements. De combien? Deux cases. Deux. Ok. Voilà. Ah, merde! Non, bah, je remonte deux, alors. Hop, ouais. Non, c'est trop tard. Ah, merde. On recommence depuis le début. Ah oui, je peux crasher le navire, ok. Vas-y, commence. Tu peux monter de 1. Moi, j'avance de 1. Tu peux monter de 2. Là, on fait quoi, là? Il faut aller à gauche, forcément. Ah, maintenant, t'es coincé. Faut descendre. Ouais. T'en descends d'un cran. T'as deux fois, à gauche. Ouais. Tu peux monter deux fois, je pense, toi. Deux fois, toi, en haut. Deux fois. Moi, trois fois. Voilà. Toi, deux fois en haut. Moi, trois fois. Encore, je suis pas sûr. Si, c'était ça. Oui. Tu peux aller une fois en bas. Hop. Est-ce que je peux encore aller en face? De deux carrés. Ah, c'est intéressant. Toi, maintenant, tu devrais pouvoir monter en cinq fois. Même 6. Encore? On a gagné. Ouais. Ça, c'est génial, ça fait... j'adore. Ça a fait quoi, du coup? Parce qu'on a fait ça va être de ton côté, parce que moi, je vois rien. Du mien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, moi j'ai un truc, une sorte de d'étoile blanche avec sur fond noir avec un drapeau. Un drapeau de toutes les couleurs. Oui, drapeau gay, ouais. Enfin, d'apparence similaire. Okay. Ouais, c'est un peu comme ça, mais avec un petit peu plus de couleurs. Oui, alors ça c'est sûrement le drapeau des ninjas homosexuels. Espèce de shuriken. Mais ensuite. Pas, j'appuie sur des boutons, ça marche pas. La ligue des ninjas homosexuels, on a leur étendard. C'est n'importe quoi. J'adore. Et puis, je peux toujours pas sortir. Oh. Ah, attends, j'ai pas vérifié moi. Ah, si, je peux sortir moi. Ah, toi aussi. Oh, m'en batte. Oh, on est en pleine mer. Oh, bah merde, on avance. Oh, c'est magique. On est barré. On se croirait dans Soul Blade, là, Cervantes, le jeu de combat dans la grotte. Je l'égonise. Ah oui. Willy Le Borgne, il est où, Willy Le Borgne? Ah. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tiens. Attends. Pourquoi est-ce sur la plage? Vamos à la playa. Oh. On fait un pâté de sable, non? Oh, si tu veux. Oh, c'est quoi ça? Oh, on a gagné. Ah bah, c'est fini. Yeah. On a mis 1h02. Bravo. Oh merde. C'est beau. C'est bien ce jeu. Et un jeu complet qui va sortir. C'est beau. Je dis ouais. Oui, non, mais j'ai déjà mis dans ma liste de... Vous voyez le direct du Mans. Ça se passe bien au Mans? Ah oui. On a oublié un succès. Ah. Merci Christelle. Allez, je vais être vilain, je vais aller chercher ma mousse. Je te laisse choisir quel jeu. Attends, moi je apéro. Ouais. Mon mousse. Ah, c'était quoi là?
je vais basculer, j'ai le bol, mais je vais basculer de la lumière naturelle à l'artificielle. Ouais. Un pario, c'est pas. Je crois que je tiens plus de nous. Et on entend que je percute joyeusement mon sac de course que j'ai accroché. Alors, la serviette est tombée. J'arrive. Ne bougez pas. Je te réécoute une scène, dis-moi tout. Alors après, il y a plusieurs choix possibles. Oh. Ah oui, il y en a plein. C'est bas. On peut en trouver. Soit on reste à deux sur un jeu un peu dans le même genre, c'est Unsolved Case. Soit on peut ouvrir à des multi à d'autres gens qui souhaitent venir. Unsolved Case. Oh, est-ce que j'ai cliqué sur téléchargement, moi? Je crois pas. Attends. Non, je me trompe. Bougez pas. Que je fasse les bons chouets. Ah! Ça peut être même genre des énigmes et tout. Unresolved KKs. Je l'ai pas téléchargé. Alors, tu veux quoi? Tu veux le Unresolved KKs? J'ai la fibre, hein, je peux le télécharger en 2 minutes. Ou tu veux autre chose? Dis-moi. C'est toi le maître à bord. Il prend combien? Il prend rien, hein, 128 mégas. On peut essayer ça, hein. Alors lequel? Un Unsolved Case. Ah bah on y va, je l'installe. Allez, zou. 172 mégas, donc c'est rien. Ah bon? C'est parce que je lis, moi je lis, j'ai lu 1 giga, mais bon. Non, non. Attends. Ah, peut-être qu'il est ultra compressé, je te l'accorde. Alors pardon si ça saccade un peu parce que je vais pomper beaucoup rapidement. Et on peut l'avoir en français. Ah, merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Que demande le peuple? Que demande la populace? Oh, je vais sortir ma miaou pour la mousse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, mais admirez cette déco magnifique. Non, alors ça c'est les instructions. Cette déco magnifique de canette. Ah oui, alors attends, faut que j'incline parce qu'on voit pas le côté doré. C'est bas. Oh, on dirait les canettes du McDo. Ah, je vais pas dans ce genre d'établissement, donc je pourrais pas dire. C'est vrai en plus. La dernière fois que je suis allé dans un McDo, et encore, c'était ma maman qui me refourguait des hamburgers pour Joker. J'ai pas envie de faire le miam à mon fiston. Et j'ai carburé à pas mal de hamburgers frites. Alors, de temps en temps, j'aimais bien. Mais passé l'adolescence et devenu adulte, j'en ai eu tellement marre des hamburgers que... J'ai plus jamais mis les pieds dans un, sans déconner, dans un McDonald's. Non, un mensonge. Une fois, j'ai testé la formule breakfast. Leur petit-déj, c'était pas mal. J'avoue que j'avais apprécié mon petit-déj. Mais depuis, sans déconner, j'ai jamais remis les pieds dans un McDonald's depuis des années. Santé, je t'écoute. Attends, c'est à moi de te dire quand Twitch je suis prêt. A dit H5YY2 le code pour rejoindre la partie. J'ai envoyé le code de partie sous Discord. Et est-ce qu'il y a un code d'invitation pour rejoindre? Attends. Avis. D'accord, je copie-colle ton code. C'est le Davachi code. Je crois que ça s'est installé. Le temps de dire mes âneries, en fait, et de mon, hein, mon anecdote de vie. Ah bah attends, il faut que je change de catégorie, du coup. Je vais pas avoir le temps de boire ma mousse, c'est un scandale.